Voilà une affaire que classe égale à HRL Nicki Minaj aurait sûrement voulu faire taire. La chanteuse et son mari sont actuellement poursuivis par Jennifer Hugues, une femme qui a porté plainte contre Kenneth Petit, l'époux de Nicki Minaj, pour tentative de viol en 1995. L'affaire s'était conclue par une décision de justice proclamant que Kenneth Petit devait s'enregistrer comme délinquant sexuel. Chose qu'il n'a pas faite puisque, d'après TMZ, il a récemment conclu un marché pour ne pas l'être. Toujours selon les éléments du média américain publié le 13 août 2021, il apparaît que Nicki Minaj et son époux ont essayé à maintes reprises de faire taire cette histoire. D'après les documents recueillis par le site, Jennifer Hugues affirme que son harcèlement a commencé après que Kenneth Petit s'est mis en couple avec Nicki Minaj. Fin 2018, Nicki Minaj, après avoir pris connaissance de l'affaire, a estimé que son époux aurait été accusé à tort. En mars 2020, suite à l'arrestation de Kenneth Petit pour avoir omis de s'inscrire comme délinquant sexuel, Jennifer Hugues a confié à TMZ que la célèbre rappeuse l'aurait appelée et lui aurait offert de l'emmener avec sa famille à Los Angeles en échange du retrait de sa plainte pour viol contre son mari. Sans oublier de mentionner qu'elle serait même prête à l'aider financièrement. Proposition que Jennifer Hugues dit avoir refusée. Un refus non accepté par la star et qui aurait engendré des appels harcelants et de visites non sollicitées. Mais peu de temps après ce refus, la victime affirme que Nicki Minaj lui aurait proposé $500 000 en échange d'une déclaration dans laquelle elle reviendrait sur sa plainte. D'après les documents recueillis par TMZ, Jennifer Hugues affirme avoir reçu la visite d'avocats envoyés par la mère de famille pour essayer de l'encourager à se rétracter sur sa version des faits. Elle a alors raconté avoir commencé à paniquer et à se sentir en danger parce qu'elle était harcelée à son domicile. Après avoir déménagé en août 2020 suite à une autre offre de $20 000 et de multiples menaces, Jennifer Hugues affirme aujourd'hui vivre dans la peur. C'est pourquoi elle poursuit juridiquement le couple pour lui avoir intentionnellement infligé de la détresse émotionnelle, du harcèlement et de l'intimidation.